conférence des présidents, unanimement, prend la décision pour yo mettre à la disposition du président de l'Assemblée nationale en résidence, que nous avons la résidence officielle. Même gens, en pile responsable pouvoir, chef pouvoir, tant que président de la République, premier ministre, gain. Question ça a fait un tollé au niveau national. Un bagage qui était très mal compris parce que il crée confusion, il crée incertitude et en même temps tout, il joue sous lui à des fins politiques ou politiciennes. Tout compte fait. Moi-même, en tant que président du Sénat, il était de responsabilité moi pour que moi mette à l'écoute de la population. Et dans une conjoncture assez particulière, nous avons reporté la question hier, nous avons convoqué une conférence des présidents extraordinaire et nous avons reporté la question ça par devant la conférence des présidents. La conférence des présidents a pas une série de l'autre mesure que nous gagnons incessamment pour nous prendre et en même temps tout publier. Nous sommes capables de dire que la conférence des présidents décide, j'en demande là, pour que les ait moins autorité pour moi résilier contrat de bail à ferme sous immeuble ça qui logé résidence président Assemblée nationale. Ça, c'est la toute première mesure que nous prenons et que nous sommes capables de prendre maintenant pour journée aujourd'hui officielle. Deuxièmement, la première mesure tout pour nous dire qu'il y a ensemble de l'autre mesure que nous allons prendre. Étant donné que la conférence des présidents pour Kofi Mbaye a valé totalement sous lui, je garde pour l'instant pour ne pas énumérer. Mais si nous voulons, entre autres, gagner des gros coupes que nous allons faire sous des privilèges que nous accordé et ou bien l'État qu'on mettait à la disposition sénateur. Les idées divergent aussi auprès des hommes politiques, des économistes et autres, etc., sur ensemble de mesures que nous sommes capables d'annoncer. Un fait est certain, nous ne parlons pas. Pour une raison ou bien pour l'autre, nous interprétons la question du privilège que le sénateur a gagné ou bien le député a gagné, c'est lui-même qui est la principale cause qui occasionnait situation de détresse, de misère et autres, etc., que nous vivons journée aujourd'hui. Nous choisissons pour nous faire premier pas et nous espérons que l'État central, dans une lettre officielle que nous voyons Bali, nous dit, que nous avons publié très certainement demain, nous dit que le Sénat a opéré des coupes au niveau budget, que nous avons retourné par l'exécutif à cause d'un ensemble de paramètres, de nouveaux paramètres macroéconomiques. Eh bien, nous tout dit l'État central là tout pour que les mêmes tout lui opérer des coupes importantes dans le niveau budget li, et faire en sorte que les fonds qui vont distribuer dans le budget à partir de recettes, eh bien, pour que nous utilisions à bon escient en tenant compte de la, la réalité du moment. On avait dit dans la mesure que le Sénat lui-même particulièrement apprend. Nous gagnons, par exemple, cette histoire de 4 téléphones, nous allons éliminer la question. Ça. Bien dit. Nous, en mesure tout pour nous dire, ah, c'est un montant qui était avoisiné les quelques 1 million de gourdes au plan global, parce que 4 téléphones, non, ce n'est pas ton 4 téléphones qui ont été baillés seul dans le sénateur, c'était 4 téléphones qui ont été baillés tout employé, généralement quelconque dans le Sénat républicain. Par année ou par mois? Et chaque mois. Okay. Et c'est tout employé, cadre, sénat, qui était bénéficiaire. Moi-même, comme sénateur, moi, que chaque sénateur a gagné la bagatelle de 6 000 gourdes par mois pour question 4 téléphones. Et moi-même, comme président du sénat, j'ai gagné. Bah, on a aussi l'autre sénateur qui a gagné moins 5 000 gourdes, mais 4 500 gourdes. On a retiré la question. Ça. Nous gagnons tout pour nous opérer. Nous avons choisi de faire le premier pas. En façon pour toute administration publique là, comprendre ça tout. Par exemple, la rubrique subvention au Sénat de la République, eh bien nous-mêmes nous dit que c'est bon que dans la question subvention, hein, nous prenons toute disposition pour que nous couper question subvention que nous comptons dans le Sénat de la République là au moins de moitié,
en façon pour que nous capables de répondre quand même à strict minimum, non, on besoin justifié. Et puis la question subvention aussi au niveau de l'État, l'argent qui n'a haute intervention publique ou pas qu'on s'allier, nous dit faut gagner des lignes budgétaires claires qui dit dans haute intervention publique combien comme que prévoir pour 1 2 3 4 en façon pour tout le monde capable de sentir que confortable dans un budget que n'a pas appliqué. Nous suggérons vivement que le président de la République là, chef pouvoir exécutif là, prenne toute disposition pour que plus vite il dote le pays à un premier ministre et un gouvernement. C'est notre vœu le plus entier. Mais cependant, vu que pas gain absence de loi qui sous question affaire courante là, seul ça nous capable dire c'est pour ces présidents, tant qu'on a l'occasion de parler avec le président, le président, plus vite qu'on est capable de choisir un premier ministre, dit plus bon, et le président de répondre, et là, fait tout ça qui est nécessaire pour que qu'il finisse avec une série de consultations que le fait, pour que qu'il mette dans une situation pour mettre un gouvernement campé qui est plus proche de la réalité politico-économique et sociale que nous avons fait face, je ne veux dire. Objectif en compte là, c'est nous-mêmes au niveau commission, n'a pas été à l'écoute des économistes qui prennent nous point de vue sous budget et éventuellement nous avons un budget 2018-2019 là, gouvernement rappeler budget ça par rapport à nouvelle donne qui vient gagner au niveau social par rapport à casse problème qui était posé en fonction des et augmentation pour carburant, gouvernement rentre budget. Nous-mêmes, nous pourrons gagner, aussitôt que nous gagnons budget 2018-2019, là, pour nous faire des rencontres avec tout économiste qui pourront nous prendre vie avant que, même avec ça, pour nous rentrer dans l'étude budget en profondeur, pour façon pour nous avoir un budget qui est adapté effectivement à la réalité sociale là, et pour nous avoir un budget qui est plus colté à la question du développement pays. Parce que depuis des années, le budget qui vote dans le pays a toujours fait objet d'un ensemble de débats au niveau national. Et nous avons tout ensemble le budget qui est voté, pas vraiment arrivé dans une situation pour changer ou bien pour améliorer les conditions de la vie citoyenne. Donc nous même objectif par nous, au niveau scénario, là, c'est voir comment cette fois, est-ce qu'il y a un budget qui est capable de permettre de nous améliorer dans un certain niveau conditions de vie citoyenne. Nous certains que l'on seul budget nous va pas mettre pays à l'en niveau, mais si au fur et à mesure nous prenons l'autre direction avec budget à travers idées économistes qui la cap qui comme observateur et cap vive application budget et tout, nous pensons que nous avons fait un pas avec pays nous vers le développement, ça va permettre nous éviter un ensemble de problèmes au niveau social, ça permet nous éviter des manifestations, ça permet nous éviter des casses. Et ça permet nous éviter des pertes en vie humaine et ça permet nous éviter un pile problème et moins quoi tout avec un budget qui est adapté à la réalité et pays nous par rapport à la situation actuelle nous ca gagne plus l'hôpital construit nous ca gagne plus de santé nous ca bataille pour nous comment nous ca améliorer le système agricole nous qui pour permettre que nous plus ou moins autosuffisants avec nous-mêmes qui pourrait avoir des incidences sur l'économie pays pour que chaque jour nous pas subir les effets de la fluctuation de la goutte qui perd de valeur chaque jour et par rapport à dollar qui constitue un véritable problème pour nous au niveau pays. À deux mois de la fin de l'exercice, pas trop grand chose pour le dire. C'est un ensemble de crédits, un ensemble d'engagements que déjà prend déjà et pas l'honorer. Ce n'est pas un gros bail noir tout noir. Ça, cependant, ce qui est important, c'est la présence d'excellents économistes que nous toujours tendons et toujours prend position dans le cadre de l'orientation budgétaire. À l'orientation maintenant budgétaire par rapport maintenant à la croissance économique. Je pense que c'est un point qui est extrêmement important qu'on a cherché et c'est un bon bagage que moi je fais pour me rencontrer avec eux. Même si nous ne pouvons pas dégager une très grande réflexion par rapport à un budget rectifié, mais ça a servi maintenant de base pour continuer à travailler avec eux et surtout dans le budget 2017-2018. Budget à là, vous l'appuyez déjà. À travers le programme d'investissement public, côté des projets d'infrastructure.
fait, il va appuyer le développement. Mais ce n'est pas le développement. Bon, dans le système qui est un système pré-capitaliste ou capitaliste, c'est le secteur privé qui va avoir le développement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je veux dire, on n'en a pas d'abord là, par les mêmes qui ont financé le secteur privé. Je peux bien avoir un budget adapté à la réalité. Gagner un budget axé sur le développement, même dans aucun côté, ou à la composante du secteur privé. Et il n'y a plus de gros bagages dans le secteur privé encore une fois. Parce qu'on économie comment ça marche, mon secteur réel, mon secteur financier. Le secteur financier là, il va être crédit au secteur réel. Je veux dire, qui est-ce qui va être crédit au secteur réel? Personne. Pas une parler de Uniban, pas une parler de Sauvéban, pas une parler de faux de développement. Et Sofides, non, il va avoir crédit. Parce que dépôt, il ne donne même pas 15% des dépôts sous forme de crédit, alors que dans le pays normal, secteur bancaire, là, qui sont secteurs complets, parce que nous avons un secteur bancaire incomplet, c'est presque 60% des dépôts qui sont sous forme de crédit. En d'autres termes, on ne pas avoir là. On doit parler, au moment où on a une bonne équipe budget, parler de qui pays, de qui développement, parler de qui économie. Pas une économie là. Quel que soit le Premier ministre, quel que soit le président de la République ou bien là, il n'y a pas de fortune par l'avant. Aussi longtemps que nous avons courage pour nous questionner les fondamentaux, pour garder le modèle économique en application dans ce pays, ça crée aujourd'hui 6 à 7 millions d'Haïtiens qui vivent en pauvreté, d'extrême pauvreté, ça le barreau. Le modèle, les paradigmes de ce modèle, pour gagner là en application, c'est 6 à 7 millions de monde pauvres que le barreau. Mais s'il ne va pas poser problème dans la vie, présenter le budget, pas rien de ce budget. Il est pas dans le budget, on va le pigeonner, on prend un bon chiffre, on va même l'expliquer. Donc, il faut changer la conception budgétaire de ce pays. Il faut venir avec une autre conception budgétaire. Forme du moment que dans 18-19, la Gontier est fort fait. Gontier est fort fait, côté que cette fois-ci, budget avant budget de dépenses, budget avant seulement budget côté que de moyens. Mon cher, au fond, il faut extraordinaire. Puis on commence à venir avec ce qu'on appelle un budget programme. C'est ça le besoin. Deux ministères. Trois ministères, on a dit. Mm-hmm. Là, c'est un effort extraordinaire. Parce que les gars, il faut qu'on dise. Bien que nous avons une loi pour voter, la loi concernant la performance, mais quand il est fait, nous avons un budget, ça va arriver. Nous avons tant de venir pour nous regarder le budget programme dans son lot, le budget axé sur les résultats, son autre type de budget qui est vraiment intéressant. Qui vraiment qu'on y a les dans les ministères ou bien les institutions qui dépensent l'argent, et bien la Cour supérieure des comptes a venu pour l'auditer, ça va être l'audit de performance. Parce qu'au départ, le ministre a venu présenter le budget à l'âge, va venir avec ses papiers, va venir. On a venu avec un contrat de performance de chaque ministère devant. Et ça, on n'a pas qu'à évaluer le terme du processus. Je ne dis pas qu'à évaluer personne maintenant. Ça va l'évaluer dans 18-19 ans. Si on va ouvrir la loi de règlement pour, on va ouvrir la loi de règlement maintenant, la Cour supérieure des comptes, on va venir à la loi. Alors que la loi de règlement, c'est qu'à permettre au monde d'échange. Il y a besoin de décharge contre la loi de règlement conforme, non, pas rien. La démarche, c'est une démarche extrêmement louable que le sénateur voulait rencontrer des mondes qui a soit opiné, soit analysé. Et hier encore, je me suis sorti un article sur 18-19 là, quand je me parlais de 12 points pour le moment là-dedans. Avant que vous reportez le bon nom encore. Moi, tout dit ça à l'avance, c'est-à-dire que 12 points ça a moins avant de monsieur à regarder l'encore. C'est-à-dire que nous travaillons sur, nous faisons réflexion sur lui et je suis content que j'ai chance, je vous dis à la rencontrer nous directement et j'espère que nous allons rencontrer encore une fois pour 18-19 là pour que nous parlions de ça. Et si vous avez ça, que ce civil là doit jouer et pas seulement dans le secteur ça, dans tout l'autre aspect. C'est ça, oui, les watchers des mondes qui travaillent et qui travaillent pour le bien, pour faire la fête plus bon. Non pas pour faire pour nous capables de critiquer les ou pas bon, mais nous faire mise en garde, nous aller à l'avance, nous faire proactif. Donc, et moi, je crois que ni moi-même, niveau de la Boussière et Woro également qui travaille avec nous, nous avons une dynamique ça. Et malgré tout problème que le docteur a parlé tout à l'heure, mais ça n'a pas empêché que nous essayons de garder qui est capable de faire mieux. Voilà. Parce que nous devons faire accompli. Le budget là déjà, il faut que nous produisons quand même des réflexions sur lui. Bagay qui arrive le 6-7 juillet, c'est une bonne occasion, je me dis l'article là. Heureusement, ça a arrivé parce que sinon, il était capable même de remanier encore. Donc, il y a déjà une occasion pour remanier. Moi, je crois que nous avons nécessité pour que le Sénat lui-même
les bail monsieur et deux voix pour mettre au propre ouais. Parce que et faut que budget suspend une formalité en Haïti mais qu'ils sont des outils tout bon des outils non seulement pour dire comment richesse capable de produire mais comment richesse capable de distribuer donc c'est moi crois que l'important et il très minimisé en pile fois en Haïti comprendre on bail qui voter là et puis ça pas intéressé personne ni pour évaluer ni pour n'est pas même sûr que mon respecte l'engagement qui prend. Les préludes fêtes gelées, nous connaissons qui commence en général le 10 août pour terminer 15 août qui se joue jour. Nous n'avons aucune activité qui pouvait prendre le fête vrai. Toute diaspora qui était pour venir, yo cancel voyage, d'après témoignage famille bail dans média local moun sa au cancel voyage par rapport à ça qui se passe dans pays a nous pas ouais aucun assainissement soit ministère environnement ou bien nous t'a dit et ministère de l'intérieur l'autre ministère qui concerné et dans question nettoyage dans bail ça nous pas ouais aucun assainissement qui a fait dans ville là aucun petit travail qui t'a fait pour t'a montrer vraiment que moun qui pi mal yo t'a jeune un petit job pour soulager dans jour ça ça fait mal en pile. Parce qu'en tant que député, nous connaissons pas trop longtemps magistrat et principal au cas la maire principal a déclaré que le maître démission. Ça vient permettre que mairie a lui-même li moribonde. Côté que gagne un magistrat qui dit le maître démission et pourquoi j'aime gagne un magistrat qui est censé venir pour le travail dans tête mairie ça. Ça permet que au cas actuellement là nous capable dire au cas li praler à la dérive et li livrer à propre tête. N'a demandé gouvernement central là pour yo capable bien vite et voyager garder au caï par intermédiaire délégation qui représente eh bien pouvoir central là nan, sur le plan local nous mandé pour gouvernement agir vite parce que au caï li tan kou un baril de poudre qui besoin moins d'étincelles pour l'exploser. Fête Sainte-Anne, c'est fête en sa folle. Et que c'est la caille Sainte-Anne, tout le monde connaît Sainte-Anne. Il y a une fête qui fête, qui a un peu d'activité. Parce que c'est un côté qui a au moins 300 pèlerins qui viennent chaque jour. Ok, les fêtes là, ça veut dire qui quantité de monde que dans sa folle recevra. Mais malheureusement, et nous connaissons par rapport à la crise pays, par rapport à problème pays, il y a un peu d'activité qui fête par rapport à des gens qui sont dans le secteur privé. Mais nous gagnons des projets que nous avons en perspective qui pour ta réaliser avant fête là mais qui pas gagné temps mettre mais heureusement et que diligence commence à faire que gagne matériel qui commence à rentrer dans commune là pour que nous capable garder comment nous capable permettre que nous arriver commencer avec projet et surtout en rochement la mer qui c'est un gros problème pour ville là. Et il y a des matériels qui commencent à rentrer, mais malheureusement, et l'autre matériel n'est pas arrivé. Mais quand même, nous avons dit que le président nous a chité avec l'autre jour, il a fait des promesses parce que il a été le directeur départemental qui permet que nous ayons contact avec le directeur départemental qui permet aujourd'hui que le matériel commence à déployer pour que nous fassions un enrochement la mer en Zafoleur. Et que nous gagnions tout projet route et première section Bat Sainte-Anne. Que nous allons lancer très prochainement parce que Fiop là moi est directeur à sauter les que là pral voyer Fiop là aller et qui c'est dans qui dans budget a que nous te gain comme là dans budget a nous pral lancer parce que grand pile l'autre projet que nous grand perspective que nous pral essayer garder comment nous capable et lancer dans commune là et pour que nous capable permettre que moun yo capable satisfaire mandat nous capable satisfaire par rapport à revendication que gagne malgré grand pile problème nous connaît nous pas ca résoudre problème en seul coup. Mais quand même, nous avons fait effort pour nous garder comment nous sommes capables de souquer la bille exécutif là, parce que nous-mêmes, comme parlementaires, rôle nous, ce n'est pas pour nous faire projet, mais c'est souquer la bille exécutif là, et pour tes revendications de la population en sa folleur, pour permettre que le projet soit capable d'arriver à atterrir dans la commune. Voilà. Moi, je parle avec les magistrats, nous avons une communication et nous parler, il y a des dispositions qui prennent pour sécuriser les villes pour que nous connaissions chaque année toujours la sécurité. Toujours villa toujours sécurisée, tout le monde toujours fêté sans aucune inquiétude, tout le monde toujours prend plaisir à l'aise. Mais je dis à que nous capables de dire, nous arrivons dans une situation, seul problème qui posait ou qu'on est, situation économique population, et permettre que nous n'avons pas de moyens vraiment, gens qui ont fêté pour fêter.
Mais ça pas empêché que moun yo se fait la caillou, que yo comprennent ça, yo fait nettoyage yo même yo nettoyer la rue, yo mettez main, tout monde a mettez main en façon pa yo qui vous permet de faire la capable, yo vraiment en fait qui réussit à ça. Et nous féliciter les magistrats, sénateurs qui mettent main, sénateur lui au nom Dieu, qui bah écoute maintenant dans l'électricité et tout l'autre monde qui peut te coller pour que fête la capable de réussir dans ça. Ça fait nous être obligé pour convoquer une assemblée des juges jeudi dernier. On était à planifier avec juge comment on a fait assise criminelle avec et sans assistant du jury à ça. Donc à la semaine ça a gagné plusieurs audiences criminelles sans assistant du jury. Mais nous quitter audience criminelle avec assistant du jury pour semaine prochaine. C'est lundi n'a commencé tant de cas avec jury mais nous commencer semaine avec cas criminel sans assistant du jury. Et chaque jour, nous gagnons 4 audiences criminelles sans assistant du jury pour semaine-là. Mais le nom arrive semaine prochaine, nous avons gagné 5 audiences criminelles avec et sans assistant du jury. Mais à Nessa, nous avons une particularité. Nous avons fait 3 audiences criminelles avec assistant du jury. Après, nous avons fait 2 audiences criminelles sans assistant du jury. L'année dernière, pas de gagner assistant criminel à cause de vérifier. Le nombre de dossiers vient doubler. Comme nous avons remis tout dossier qui est en état pour recevoir le jugement pour nous passer, nous avons augmenté le nombre de salles avec le jury. Pour nous aussi, tout dossier criminel, nous avons environ 30 de dossiers criminels avec le jury. Nous avons aussi tout évacué dans la session. Pour nous pas avoir un dossier criminel avec l'assistant du jury qui est en souffrance. Parce que la loi dit qu'il faut gagner 2 sessions assises criminelles au moins par année. Mais on ne connaît pas la force des choses. Nous pas qu'arriver à faire des audiences parce qu'ils ont trop planification pour faire session criminelle avec le jury. Ou dans la majorité de cas, son seule session nous fait pendant l'année judiciaire là. Nous avons profiter de session ça pour nous essayer de tout passer tout dossier criminel avec l'assistant du jury qui est en état pour recevoir le jugement. Sans assistant du jury. Nous connaissons la loi font distinction entre cas pour attendre avec assistant jury et cas pour pas attendre avec assistant jury. Quand on attendre sans assistant du jury, c'est tout cas que la loi qualifie de crime. Lors du crime, il n'est pas obligé de crime de sang. Avec souvent association de malfaiteurs, vol à main armée, vol avec effraction, vol avec escalade, vol de nuit en groupe, vol domestique, tout cas ça y est. Enlèvement suivi de séquestration contre rançon, faux, pour les blessures volontaires et occasionner la mort, tout cas ça y est, c'est des cas criminels. Mais c'est sans assistant du jury que la loi dit pour tant d'ailleurs. Mais l'autre cas, par exemple, crime de sang, meurtre, assassinat, infanticide, parricide, cas ça y est, la loi dit c'est avec jury. Distinction, c'est article 50 Constitution République là qui dit, en matière criminelle, jury a établi pour les crimes de sang. Et en matière de délit politique, c'est pas crime de sang seulement qu'on attendait avec jury. En matière de délit politique, tout c'est tribunal criminel avec jury. Par exemple, il y a un monde qui tentait pour renverser l'ordre constitutionnel établi par les armes. Le monde s'est amené à l'audience criminelle. S'est arrêté, il a amené à l'audience criminelle avec assistance du jury parce que la constitution de son délit politique lié. Là, ça, c'est une assise criminelle qui a amené le monde ça pour la juger. Au début, lundi, il y a une condamnation. Beaucoup de statistiques en bas, mais chaque jour, l'audience est faite. Je me suis dit que j'ai plusieurs salles qui ont fonctionné. Hier, j'ai eu plusieurs. Lundi, j'ai eu plusieurs tours. Et juge, j'en ai demandé, ils font effort. Décision, ils tournent en audience. Ça veut dire que c'est fin de l'affaire là. Et puis tout le monde s'entend pour le connaître pour combien de temps dans la prison.
qui a acquitté le tout, il a acquitté le pour mon rentrer la caille le même jour, ce tribunal a acquitté. Mais ça condamné à tout le tout, vin là, dans le tribunal là, audience a fini, j'ai eu la grande décision, le compte sentencé, avec le tourné dans la prison avec dispositif décision, en attendant, comme si le gouvernement voyait la gueule, ou bien si la tout la gueule, l'audience la gueule pour rentrer la caille. C'est une exigence pouvant permettre de garantir le pilier social. Une exigence permettant de garantir le pilier social. Un état de droit qui mérite son nom forcément va respecter les droits de ses travailleurs. Par exemple, si on prend la Constitution haïtienne, l'article 22 de notre Constitution de 1987 nous fait exigence que le pays ait un système de sécurité sociale et un système de logement décent. Qui dit sécurité sociale dit aussi la protection des travailleurs. Mais qu'en est-il en réalité? Quel est l'état d'Haïti par rapport à cette exigence, par rapport au pilier social du développement durable? Selon les chiffres que j'ai pu trouver, il y a encore que 5% des travailleurs qui sont couverts par un régime de sécurité sociale. Moins de 5% des travailleurs sont couverts par un régime de sécurité sociale. Moins de 20% des travailleurs du secteur privé formel bénéficient d'un régime de sécurité sociale. C'est-à-dire, la République d'Haïti est encore très loin du respect de l'application de ce pilier social. Il y a beaucoup de travail à faire pour ce pilier social. Que faire par rapport à un tel état de fait? Premièrement, on peut prendre l'application de la Constitution comme une nécessité, c'est-à-dire il y a nécessité d'appliquer la Constitution haïtienne de 1987. La résolution de beaucoup de problèmes en Haïti passe par l'application de notre Constitution. Et d'ailleurs, la Constitution demande de respecter la sécurité sociale, on ne le fait pas. La Constitution demande de protéger l'environnement, on ne le fait pas. Donc déjà, si on avait le souci d'appliquer et de respecter la Constitution, il n'y a pas de monde parfait, mais on serait beaucoup mieux qu'on ne l'est aujourd'hui. Deuxième chose qu'on peut considérer, c'est trouver les hommes et forcer les hommes d'État à agir selon l'intérêt général. Ça, je pense que c'est un problème très important pour la République d'Haïti. Comment faire en sorte que les dirigeants agissent au nom de l'intérêt général et non pas au nom d'intérêts particuliers? L'existence de l'État est justifiée par la nécessité de la protection de l'intérêt collectif, de l'intérêt général. Si celui qui est dirigeant utilise sa fonction à des fins, c'est-à-dire d'intérêt personnel, j'appelle ça un détournement, c'est comme un détournement de pouvoir, même on peut dire ça, parce qu'il n'est pas là, il est censé défendre l'intérêt collectif, alors que la personne vient pour défendre ses intérêts particuliers. Et je pense que c'est l'un des problèmes majeurs du pays. Les citoyens haïtiens devraient trouver un moyen d'obliger les dirigeants à agir selon l'intérêt collectif et non pas selon des intérêts particuliers. Comme autre recommandation que je peux faire, je pense qu'il y a lieu de numériser le fonctionnement de l'administration publique. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Haïti n'est pas totalement rentré dans l'ère de ce qu'on appelle de l'e-gouvernement, gouvernement électronique. Par exemple, le gouvernement électronique pourrait permettre à ce qu'on appelle l'enregistrement immédiat des nouveau-nés dans tous les hôpitaux. Ça se passe comme ça, par exemple, aux États-Unis. Une fois qu'il y a un nouveau-né, pourquoi il faut attendre que c'est le parent qui doit partir faire la déclaration? Les hôpitaux devraient avoir un système pour automatiquement à la naissance on enregistre l'enfant.
rencontres sont activités qui portent sur le développement durable. Donc, on connaît Haïti fait face à un grave problème de développement rural, de développement durable, excusez-moi. Et comme je l'ai fait remarquer dans mon intervention, le développement durable aussi dit participer d'un problème de l'environnement. Et là, nous bien garder ça, que Haïti, son pays, il existe un droit international de l'environnement. Or, ça nous constate, c'est que Haïti fait face à un problème crucial de l'environnement. Nous constatons que la couverture forestière du pays est en deçà de 10%. Et ensuite, nous sommes capables de tout que les services publics préposés à l'assainissement de nos villes, particulièrement de la capitale, ils ont montré tout à fait incompétents, incapables de réaliser leur mission. Donc ceci, c'est un problème grave que nous avons constaté. Et c'est pour ça que Faculté de droit prend initiative, organise colloque ça pour motiver jeunesse et pour motiver tout le monde sur la question. Il y a un problème en Haïti, c'est un déficit de motivation de la jeunesse pour des tâches essentielles. Et justement, la question de l'environnement représentait un problème spécifique de la question. Attente nous sait que justement, toutes les genres d'activités SAO visaient à motiver jeunesse là. Donc, visaient à motiver tout le monde. Donc, très probablement, les retombées vont être positives. Donc, nous pas regarder ça que pas le sorti, puisque ce n'est pas pour rien qu'on prend initiative ça. Est-ce que vous croyez que ça, ce n'est pas une occasion tout pour nous adresser nous avec l'autorité dans l'État sur quel comportement vous avez gagné par rapport avec le problème pays? Bien entendu. Non seulement la motiver et particulièrement jeunesse là, mais aussi et l'ensemble des services publics préposés justement au problème maintenant de développement durable. Maintenant, sur alors, il y a un message spécial que tu as gagné dans ce qui concerne les problèmes, vous avez souligné pour nous, avec l'autorité dans l'État, personnel, qui s'en a dit. Bon, le problème, non, il faut d'abord améliorer l'indice de développement humain. Bon, grave problème. Portant maintenant sur le niveau de vie de la population. Ça, c'est un grave problème. D'y participer de problèmes de développement durable au même titre que la question portant sur l'environnement. Donc le message, c'est que Haïti doit engager davantage dans le problème dans la solution des problèmes portant sur le développement durable. Promise, c'est à connecter entreprises qui besoin réaliser des travaux avec des professionnels qui ont des compétences pour qui travaillent sur projet ça. Plateforme là, il y a deux groupes d'utilisateurs, nous avons les freelancers que nous relé les professionnels indépendants qui ont un compte gratuitement qui ont monté sur plateforme là, ont fait profil yo. Yo ajouter portfolio et yo même vendre des services parce que quoi plateforme dans lui-même au-delà de connexion il permet que vous vendre services que vous capable faire et ceci c'est pas seulement service qui a rapport avec développement informatique mais monde qui dans comptabilité monde qui connaît font plan d'affaires un monde peut-être qui capable faire des recherches en Haïti ou qui doit joindre des monde à l'étranger maintenant qui monte sur plateforme là cap chercher des compétences haïtiennes et c'est là que nous pourrons permettre que des jeunes en Haïti, capables de travailler pour n'importe quelle entreprise, pas seulement des entreprises haïtiennes, mais des entreprises tout au niveau de l'international, qui cherchent, font travail ou bien qui cherchent à utiliser compétences en Haïti. Et plateforme, non, avantage que nous gagnons là-dedans, toute transaction passe par plateforme. Non. Une entreprise qui veut faire un projet, entreprise là a déposé, a créé un projet sur plateforme. Non. Et avant même que professionnel a commencé à travailler sur le projet, ça, entreprise a déposé COB professionnel. Entreprise n'a pas qu'à prendre COB ça. Et COB n'a pas qu'à jeune professionnel là, pas avant que le travail a effectué. Donc, nous mettons en quantité de mesures de sécurité sur la plateforme là, pour permettre que le travail que le professionnel a fait là, il fait vraiment avant même que le toucher et que l'entreprise a lui-même n'est pas capable de payer le professionnel là.
Et l'autre avantage qui gagne avec la plateforme, non, c'est que au fur et à mesure que un professionnel travaille sur la plateforme, non, c'est au fur et à mesure que la construit profil, la construit carrière sur la plateforme. Non. Parce qu'une fois qu'on fait un travail qui est satisfaisant, l'entreprise a lui-même l'a bien pour devoir pour les bons feedbacks, pour les bons des points sur 5. Et à chaque fois que vous faites ou créez feedback ou bien plus review, c'est autant de fois que l'autre entreprise a intéressé et bao d'autres travail. La plateforme, je nous dis là, elle est disponible pour tout le monde qui voulait inscrire sur lui depuis jeudi. Et nous inviter, surtout entreprise haïtienne, parfois entreprise n'a pas cherché un employé à temps plein, les gens ont juste besoin de faire un travail spécifique, entreprise a doit monter sur la plateforme, non, les fait description projet et puis automatiquement on a besoin des gens qui déjà prêts pour travailler. Et mon abdou dans combien de jours que l'a capable de faire travailler ça, et mon abdou pour combien de corps l'a capable de faire travailler ça. Et une fois que l'entreprise lui-même est d'accord avec le professionnel là, il a entré en contact pour commencer le travail là. Nous-mêmes dirigeants politiques, gros force, qui c'est grand rassemblement face au pays, nous regrettons l'événement malheureux qui est passé 6 à 7 juillet 2018 là. Mais nous reconnaissons tout. C'est manque responsabilité de pouvoir en place là qui n'a jamais embrassé la revendication masse peuple là qui a vécu dans la misère noire quand le soleil n'a jamais levé pour eux. Nous-mêmes, nos gros forces, nous appuyons sans réserve toutes les démarches qu'on a faites pour mettre en campé un gouvernement tout neuf qui a eu pour mission pour rassembler tout petit pays sous même table pour améliorer les conditions de vie. Gouvernement a dit peuple là, il n'y a pas besoin ni craser ni bouler par les bancs, parce que c'est comme taxe peuple là qui construit. Et puis n'a dit reste parlementaire ça yo. Fais respect nous. Bay pays a une chance pour être capable de débloquer. Haïti pas péri. Vive démocratie, vive l'union, vive Haïti. Nous-mêmes à travers Gouvernement, nous bay position nous sous crise pays là. Nous dit bravo. Nous d'accord. Façon que consultation a fait pour mettre un nouveau premier ministre. Et nouveau premier ministre, nous pas souhaité qu'il t'accoue équipe qui soit passée. Et personne n'est dans l'équipe qui soit passée a pas besoin à faire des marches, bon bande de marches qu'a fait pour réintégrer l'autre nèg qui était dans le gouvernement qui est passé à qui pas bail rien. Au champ, chapeau bas pour la police. Direction la police ça qui fait un travail énorme qui pas dans camper en face peuple là. Tant que j'ai dit que la police pas fait rien. Mais si la police pas maîtriser bagarre aujourd'hui, nous avons compté des milliers de cadavres. Et nous avons des milliers de businessmen qui perdu. Et nous avons coûté à le secteur privé, qui a fait pas la guerre, parce que nous connaissons ça qui fait dans tous les pays qu'on a habitué à gagner. Et il faut recommencer, malgré que nous avons près de 1 million de personnes qui perdent du job. Mais nous avons payé dans le chômage, nous n'avons pas souhaité pour ça arriver encore. Dans ce cas, nous demandons nous-mêmes, il y a pile citoyen qui est mieux placé pour le cabinet de servir le pays comme premier ministre. L'objectif de la conférence ce matin, hein, c'est pour nous parler un peu sur la situation du pays, hein, la lamentable pays hier, je ne veux dire. C'est la raison ça qui permet à Rosedal de faire une conférence pour que nous mettions population et communauté nationale et internationale pour nous dire non, N-O-N, non, à façon nous voyons groupe de monde voulait mettre pays, hein, disons, craser, briser, hein, nous-mêmes dans Rosedal nous disons non, pas d'accord, nous pas là-dedans. Intégration, comme nous connaissons, et militants ont fait 22 manifestations dans la rue, hein, et si président Jovenel Moïse dit dans le palais national, c'est grâce avec Jeffor. Militants Sayo qui étaient braves et dangereux pendant 22 manifestations dans la rue. Chaque journaliste était au courant dans quelle situation le président Jovenel est arrivé au pouvoir. Donc, nous-mêmes, étant que militants, étant que force qui a goumé pour le président Jovenel prend le pouvoir, eh bien, après 17 mois, nous dit président Jovenel,
l'établir et racine pouvoir qui c'est militant. Et c'est ça que fait nous dit président Jovenel pour le prendre parce que pied ban nan nan li pas capable camper sans racine nan. C'est militant qui était brave et danger qui te permet que président Jovenel li te gain pouvoir ça. Donc nous-mêmes en dans secteur ça dans pays dans 10 départements pays nous dit président Jovenel tenir compte des militants yo. Et dans le nouveau gouvernement qui va le monter, il faut que les militants soient représentés dans le nouveau gouvernement qui va le monter. Télé-Guinée, Kadil Jean-Lier. Chaque jour, pouvant jouer à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi tapant. À souhait, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix et montée, Kadil Jean-Lier.